أبوها بالكامل، قتلوا ابني عشان احنا بنقدم رسالة إنسانية. أولادنا يقتلوا، ودفنت ابني في صور المستشفى. على هذا كله كان جزانا أن أولادنا ينقتلوا أمامنا وندفنهم بأيدينا. L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Hussam Abou Safia. Il est le directeur de l'hôpital Kamal Adwan qui a été pris d'assaut la semaine dernière par les forces israéliennes. Au cours de cette attaque, l'armée israélienne a tué au moins 93 Palestiniens, en a kidnappé une centaine d'autres, dont 31 médecins, et on ne parle même pas des dizaines de blessés qui ne pourront de toute manière pas être soignés vu l'état de destruction de l'hôpital. Pour évoquer ce nouveau crime de guerre, nous avons interviewé le docteur Khaled Ben Boutrif, qui est médecin urgentiste et généraliste français. Il a déjà participé à 2 missions humanitaires au cours de cette année dans la bande de Gaza, et depuis il est resté en contact avec plusieurs de ses collègues palestiniens. Dans l'interview qui va suivre, il nous parle de ce qu'il avait vu déjà sur place à l'époque quand il s'était rendu dans la bande de Gaza, de la façon dont la situation s'est dégradée depuis et aussi de la récente attaque israélienne contre l'hôpital Kamal Adwan. Moi, j'ai été à 2 reprises à Gaza pendant cette guerre, si on peut l'appeler guerre, parce que c'est pour moi, c'est une agression, pas une guerre. J'ai été au mois de janvier, février, où nous avons soigné au niveau de l'hôpital européen de Khan Younes. Et nous avons visité aussi d'autres hôpitaux à Rafah qui n'étaient pas encore occupés en ce moment-là. La situation était très critique, difficile, le manque de matériel, le manque d'espace, le manque de médicaments, le manque d'outils, le manque d'électricité aussi, et beaucoup, beaucoup de réfugiés qui occupaient les lieux pour chercher la sécurité, pour chercher un toit, pour plein de... Ils ont été déplacés du nord pour qu'ils soient en sécurité au sud. Mais une fois au sud, ils n'ont pas été respectés. Et même sur le chemin, il y a eu souvent des bombardements ciblés. Et donc, seule chose, au sud, à l'hôpital européen en tout cas, c'est que c'était l'un des rares hôpitaux qui restait, qui fonctionnait. Il y avait beaucoup de médecins, dont dans des missions étrangères comme nous, parce qu'il y avait les médecins qui ont quitté les hôpitaux du Nord et les autres et sont descendus, ils se sont rapprochés de l'hôpital européen qui était dans le Sud. Mais dans le Nord, il y avait un manque de nourriture, c'était difficile, mais pas autant difficile que dans le Nord. Quand on a été dans le Nord, premièrement, les hôpitaux, ils étaient dans un délabrement. Tous, ils ont été attaqués, réhabilités plus ou moins par la population et par le personnel. Donc, dans un état catastrophique. Mais ce qui manquait le plus, on abordera les manques, mais le plus, c'était le personnel. Il n'y avait plus de personnel qualifié, c'était que des volontaires, la plupart des jeunes, des internes, des étudiants en médecine. Par exemple, aux urgences où je travaillais à Kamal Adwan, j'étais le seul urgentiste. Il y avait un vieux diabétologue qui venait, mais qui faisait un petit peu le tri. Mais il n'avait aucune connaissance et il n'avait aucune pratique sur les urgences. Et on avait beaucoup d'urgences. Il y avait beaucoup de blessés. Même si c'était pas l'attaque, mais les bombardements, c'était quotidien. Et les blessés, quotidiens aussi. Et comment ça se fait qu'il n'y avait quasiment plus de médecins dans le Nord? Il n'y avait plus de médecins dans le Nord parce que la plupart, ils ont été déplacés vers le Sud. Une bonne partie qui était emprisonnée, qui était prise jusqu'à maintenant, il y en a certains qui sont morts, emprisonnés, interrogés, torturés, et une autre partie qui a sûrement quitté le territoire de Gaza. Donc,
Donc c'est pour ça qu'il y avait très peu de médecins, très peu d'infirmiers qualifiés aussi. Et alors, depuis le début du mois d'octobre, là, il n'y avait vraiment plus d'aide du tout humanitaire qui rentrait. Il n'y avait plus d'équipe internationale qui pouvait venir aider dans le nord, dans cet hôpital Kamal Adwan où vous avez travaillé. Oui, depuis le début de. Voilà, les choses se dégradaient, les attaques se multipliaient, et après il y a eu une attaque, parce que là c'était un siège un petit peu de loin, les quartiers n'étaient pas investis par les forces. Il y avait des drones, il y avait des intrusions, mais il n'y avait pas de soldats. Mais cette fois-ci, c'est une attaque qui a pris d'assaut les quartiers, isolé les quartiers et pratiqué à des arrestations et à des tueries sans ménager les jeunes, sans ménager et puis empêcher les gens de s'occuper des morts, même dans les rues. Ils sont restés jonchés, selon les témoins que j'ai eus, plusieurs jours. Les ambulances ont été interdites d'intervenir, la défense civile, c'est-à-dire les pompiers non plus. Là, sur la vidéo du directeur, il parle, la dernière ambulance a été détruite, donc il n'y a plus aucune ambulance. Il a reçu au début du mois des menaces, lui et les trois hôpitaux de la ville de Jabalia, l'hôpital indonésien, l'hôpital Al Aouda. Les trois hôpitaux, ils ont reçu l'ordre d'évacuer. Ils ont essayé de tempérer, de résister. Ils ont fini par évacuer. Et les dernières vagues et les dernières voitures en partant, justement, il y avait le directeur et plusieurs médecins. À la sortie de la ville, ils ont été bombardés. Donc, ils ont fait demi-tour malgré eux à l'hôpital. Ils sont restés à l'hôpital. Ils ont reçu beaucoup, beaucoup de blessés parce qu'il y avait des attaques. Il y a 2 jours, enfin jusqu'à il y a 2, 3 jours, où ils ont été surpris par des tanks en face de l'hôpital, carrément. Cette fois-ci, on les a pas prévenus. Ils étaient là, ils demandaient l'évacuation. Il y a eu beaucoup je pense, de tirs. Et dont le fils du directeur qui a été tué, il a 15 ans et quelques. Oui, il a été dit que c'était en représailles au fait que le directeur avait refusé de quitter son hôpital. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu? Oui, tout à fait. Mais il n'est pas le seul. J'ai travaillé aux urgences et là, l'infirmière qui était responsable de la salle de chirurgie aux urgences, elle avait son fils qui était inscrit à la première année, l'année dernière, à l'école d'infirmière. Et il n'a pas pu faire les cours, donc il venait l'aider, elle lui montrait déjà. Ben, il a été pris sur place aux urgences et elle ne sait pas où est-ce qu'il est maintenant, jusqu'à maintenant. Il a été emprisonné. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Oui, et des informations que vous avez, on a une idée du nombre de médecins, de soignants qui ont été arrêtés et emprisonnés par les forces israéliennes? De Kamal Adwan, il y a 31. Selon le directeur, Dr Hussam, on a la liste de 30. Il dit qu'il y a 31 médecins et employés, infirmiers de l'hôpital Kamal Adwan qui sont emprisonnés. On ne sait pas où. Il nous dit qu'il ne reste que 2 médecins, lui et un autre médecin, sur l'hôpital avec très très peu de personnel, infirmiers, pour apparemment 145 blessés qui sont encore là. 145 blessés, donc et quasi pas de matériel, parce qu'il y a eu aussi des attaques dans l'hôpital. Ils ont attaqué l'hôpital, donc l'électricité. Ils ont attaqué la source d'oxygène, des pompes d'oxygène. Et il y a eu, ça c'était, oui, il y a eu des bébés il n'y a plus de respirateurs, plus d'oxygène, qui sont morts, selon. Quand on pense qu'il y a un an, on parlait du mythe des 40 bébés décapités. Là, c'est vraiment des bébés bien réels qu'on laisse mourir dans l'indifférence générale. Tout à fait. C'est catastrophique ce qui se passe là-bas. C'est inimaginable. C'est insoutenable. C'est vraiment insoutenable.
Au niveau des structures hospitalières du nord de Gaza, donc maintenant les trois grands hôpitaux ont été détruits. Donc la population est vraiment laissée à elle-même. Est-ce qu'il y a encore des petites structures médicales qui se maintiennent? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Moi, je pense que d'après le témoignage du directeur, il dit que les trois hôpitaux, ils sont plus actifs, ils sont plus fonctionnels. Voilà, donc à part le reste, c'est des initiatives personnelles, c'est comme ils ont fait quand ils ont attaqué les trois hôpitaux au mois de décembre. C'était pareil, ils ont repris une activité de pansement de plaies, pansement de blessés. En attendant, après, ils ont réinvesti et ils ont réouvert l'hôpital. Actuellement, je pense que c'est la troisième fois maintenant qu'ils le font. Ça commence à faire trop. Et je pense que l'intention de priver la population et de l'inciter à quitter, la forcer à quitter justement le territoire, c'est le but. C'est le but. Et dans une indifférence totale. Et dans un silence plus que complice, moi je vous dis, les gens qui se taisent, c'est juste pas possible. La honte, c'est pas pour les Israéliens, la honte, c'est pour nous. Qui regardons, plus que regardons, parce que à part quelques pays, quelques gouvernements, les autres, ils sont pas complices, ils sont auteurs, de mon point de vue. Mais tout à Ils sont fait. auteurs. Et puis, ces hôpitaux, non seulement ils soignaient des patients, maintenant ils ne sont plus en état de le faire ou quasi plus, mais c'était aussi des lieux d'hébergement de déplacés. Maintenant, c'est déplacé, donc ils sont plus dans l'hôpital. On a vu des images également très, très inquiétantes de regroupement. La population était forcée de se regrouper au milieu des gravats, sans rien. Donc c'est vraiment on peut l'appeler des marches de la mort qui sont mises en place donc sous la baïonnette des Israéliens. Ah, c'est le oui, absolument, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Ils savent bien que cette population est totalement elle est désarmée, à part une résistance et c'est pas la majorité de la population. Les 90%, les 95%, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de. Donc on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Et c'est dans un mépris total des conventions de Genève, des conventions internationales, du droit international. C'est quand même inquiétant cette façon de faire, cette façon de laisser ce gouvernement sans punition, sans craindre même la punition. C'est incroyable. Il n'y a pas de gel de gel au niveau de l'adhésion à l'ONU ou des organisations onusiennes. Il n'y a même pas vraiment d'une décision de dissuasion contre ce gouvernement. C'est impossible c'est vraiment difficile à imaginer. Oui, et on voit des professions qui deviennent des cibles maintenant considérées presque comme légitimes, que ce soit les soignants, que ce soit les journalistes. Voilà, on finit par s'habituer à des massacres innommables, en fait. Bah justement, je pense que le but, c'est de nous habituer. Ils arrivent malheureusement, ils arrivent à le faire pour certains. Donc maintenant, on entend qu'il y a des morts. C'est normal, c'est habituel, c'est quelque chose qui est admise. Il y a des enfants, on ne parle pas. Il y a des femmes enceintes, des journalistes. On a eu un appel d'un journaliste qui a été, je pense que vous avez entendu parler, Fadi, oui, c'est Fadi, journaliste d'Al Jazeera, un caméraman qui était en direct pratiquement. Il a été ciblé avec des lésions au niveau de la colonne dorsale et cervicale. Et donc, il a eu une compression médulaire, une compression de la moelle épinière.
ce qui voulait dire qu'il fallait absolument l'évacuer sur le soit directement par un hélicoptère, soit au moins par terrestre vers Amman. Et la demande d'évacuation, elle a été enfin, les premiers jours, parce qu'on a essayé de lancer des appels ici en France pour aider, pour appuyer, mais ça n'a pas marché. Cinq fois, un journaliste qui n'est pas du tout impliqué, donc cinq fois maintenant, il a une paraplégie installée qui n'est pas régressive. Il a des complications, il a une insuffisance rénale qui s'est rajoutée. Un de ses collègues aussi, un jour avance, lui c'était le 9 octobre, et son collègue c'était le 7 octobre, il me semble, Ali. Oui, il a une plaie intracrânienne qui était dans le coma, pas évacué, interdit de l'évacuer. C'est des journalistes. Mais j'ai vu une famille entière anéantie, car ce jeune journaliste qui habitait pas loin de l'hôpital de Kamal Adouane, à 2 h du matin, grande déflagration, et on les a dans la matinée après, ils les ramènent le matin. On avait cinq corps, parce qu'il était journaliste. Ouais. Donc c'est les Et... journalistes qui sont victimes, leur famille, c'est... Ouais. Ah oui, non, mais alors, juste soupçonner qu'il y a quelqu'un là-bas qu'on veut éliminer, s'il y a 100 personnes, 100 civils autour, on s'en fiche. On s'en fiche. Pour un soupçon, ils détruisent tout l'immeuble, il y a aucun souci. Une autre attaque, c'était. Je vous dis ce que j'ai entendu, pourquoi, parce qu'on reçoit des. On pose la question aux urgences. Et une autre attaque, une famille qui avait une puce. Donc, les puces, en général, ça passe par Israël. Ils n'ont pas de network. Ils ont une puce qu'ils ont trop partagée. Donc, il y avait une grande activité sur cette puce. Et apparemment, ça serait pour ça qu'ils ont détruit tout le quartier. Ils ont trop partagé le Wi-Fi. Il y avait plein de morts, une vingtaine. Il suffit qu'il y en a un discours, un échange qui ne plaît pas, et c'est traité de façon guerrière, au lieu de couper l'abonnement, non, on détruit le quartier. Donc c'est on a tout vu dans cette guerre. On a vu les charniers, on a vu le vol d'organes, on a vu les brûlés, les incendiés des civils sous les tentes, les tirs cadrés sur les enfants. Donc ça, je l'ai vu surtout dans le sud. C'était marquant parce que il y avait de grandes batailles autour de l'hôpital européen, et on avait beaucoup beaucoup d'enfants qui venaient avec des tirs de sniper. Donc c'était bien cadré, bien bien voulu, bien bien ciblé. C'était pas des bombes, c'était des balles, malheureusement. Effroyable. Mais vous évoquiez aussi le vol d'organes. C'est quelque chose qui a pu être détecté sur des cadavres rendus par l'armée. Comment est-ce que ça a pu être décelé? Ça, c'était au mois de, il me semble, autour du mois d'avril, autour de l'hôpital Shifa et l'hôpital Nasser, tous les deux à Khan Younes. Autour, ils ont découvert des fosses communes, autour de 400 en tout, et dont des personnes, donc même des patients, des soignants, des gens attachés et exécutés, portant des traces de torture. Et on a trouvé pas mal de gens qui ont été éventrés, viscérés, et dans le vol d'organes. Des organes qui manquent. Et ça a été, il y avait une mission de l'ONU qui a regardé sur ça. Après, ça s'est perdu, ça s'est arrêté, cette mission. Ça, c'est. C'est cette impunité avec laquelle on traite, c'est le deux poids et deux mesures à l'échelle mondiale. Il pourra
pourra jamais y avoir une paix, parce que la paix nécessite un équilibre, une justice. Ça s'appelle une justice. Il n'y a pas de justice. La justice, effectivement, tant qu'il n'y a pas d'enquête qui peuvent aller jusqu'au bout et établir les crimes de manière précise, ce sera très compliqué, effectivement, de Non. rendre Tout à justice. fait. En tout cas, à l'heure actuelle, ce ne sera pas évident. Juste aussi un petit mot, parce qu'on parle des massacres de masse, donc vous le disiez, on cible quelqu'un, on va détruire la centaine de personnes qui sont tout autour. Il y a aussi la question de la famine qui est véritablement organisée. Il n'y a plus rien qui passe pour le moment dans le nord de Gaza qui est coupé du monde. Le nord de Gaza, il souffre depuis le mois d'octobre 2023. Tout de suite après, le 8, le 9, ils ont attaqué, ils ont fait des massacres après l'intrusion et ils ont isolé. Donc c'était le siège qui continue. Le siège n'a jamais été levé, donc avec une période très très difficile comme celle d'actuellement, qui a duré 2, 3 mois. C'était au mois de mars, avril jusqu'à mai. Où il y a eu, donc ils avaient interdit même l'UNRWA de faire parvenir le riz et les céréales et les conserves. Et après, donc ils ont permis que les conserves, le riz et la farine pouvaient rentrer. Donc c'est quand on a été, c'est les seuls éléments qui étaient disponibles. Tout ce qui est frais, tout ce qui est laitage, tout ce qui est viande n'étaient pas disponibles, les fruits non plus. Donc, les gens qui n'avaient pas mangé de fruits, qui n'avaient pas. Donc, il y avait un manque terrible, des carences avérées. À l'hôpital, on les voyait, tout le monde était en carence, les anémiques. L'hôpital Kamal Adouane, j'étais, voilà, la première fois, je le vois, j'ai vu le service de malnutrition, où des dizaines d'enfants étaient là, cachectiques, cadavériques, avec, quand les gens, on leur donne, ils sont tellement petits que l'âge, on dirait qu'il a rétréci. Voilà. Et là, de nouveau, après ce siège de la fin septembre-octobre, de nouveau, c'est un siège total, donc hermétique. Il n'y a plus rien. Même l'UNRWA ne fait pas parvenir l'eau et le peu de nourriture qu'elle faisait parvenir. Oui, donc des situations absolument catastrophiques et tragiques, et c'est, enfin, parler de malnutrition, mais c'est des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes qui sont là-dedans depuis un an. Oui. Tout le nord qui compte voilà, autour de 300 000 habitants qui ont refusé de quitter le nord. Mais ceux qui ont quitté le nord ne sont pas mieux parce qu'ils sont descendus à Rafah et on les a renvoyés vers l'ouest à la côte à Al-Mawasi. De nouveau, ils ont été chassés à l'est. À l'est de Khan Younes, ils sont revenus à Khan Younes, on les a chassés, on les a bombardés. J'ai un infirmier avec qui je garde contact et qui était à l'hôpital européen. À chaque fois que je l'ai, il me dit tout a été détruit, on est en train de chercher un autre emplacement. 7, 8 fois pendant un mois. Et à chaque bombardement, on leur casse tout. On leur casse tout et puis on les renvoie, ils savent plus où y aller. C'est effroyable, inimaginable. Ils savent plus où y aller. Ils savent plus même raisonner, comment raisonner. Aucun endroit n'est sûr à Gaza, pas plus le sud que le nord. Et le nord, donc, vous disiez les personnes qui ont refusé de partir, il y avait des personnes qui ont refusé de partir, il y en a d'autres aussi qui ne savaient pas, qui n'avaient pas les capacités physiques. On pense à toutes les personnes âgées, les personnes handicapées, c'est des personnes qui, de toute façon, voilà, étaient condamnées à rester. Tout à fait. À Gaza, il n'y a pas d'endroit sûr, maison, école, hôpital, établissement onusien. Il n'y a pas de sécurité à Gaza, où que vous soyez. C'est incroyable, c'est innommable, mais c'est la vérité. Mais dans un monde
qui n'a pas envie de bouger, qui n'a pas envie de voir la vérité en face. C'est le nôtre. Je ne sais pas, c'est de l'égoïsme, c'est de l'insouciance ou c'est un manque d'humanité. On devient de moins en moins humain. Parce que ce n'est pas possible. Aucun parent, même un être humain sans qu'il soit parent, ne peut accepter ou voir des enfants se faire tuer, se faire massacrer. C'est impossible. Des civils se faire massacrer. Là, en France, il y a des mouvements, mais pas assez. Nos médias sont loin d'être à l'éthique. Nos responsables politiques, ils sont complètement compromis. Ils sont totalement dans la complicité et même dans le crime. Il faut du travail, il faut de la mobilisation, il faut militer, ça. On va pas se taire, on a vu des choses et non, impossible de continuer à vivre comme s'il ne rien n'était. C'est pas possible. C'est Non, pas possible. et vous me disiez là tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui va sans doute se préparer aussi au niveau des soignants. Pour les autres personnes qui nous regardent et qui sont scandalisées par ce qui se passe, est-ce que vous auriez un conseil, quelque chose à leur proposer de faire, une action, comment faire entendre sa voix aujourd'hui face à l'innommable? Je pense que la première des choses, c'est de prendre conscience avant de convaincre. Il faut être convaincu, donc prendre conscience. Être humain, j'appelle les gens à rester des humains, et un humain ne peut pas tolérer de voir son semblable se faire lyncher, se faire incendier, se faire sortir de chez soi, tuer les enfants, tuer les personnes âgées, détruire les maisons sans aucune impunité, sans aucune raison et sans aucun danger. Quand on traverse de Gaza du sud au nord et du nord au sud, on voit des images, mais quand on est dans la voiture, c'est toutes les maisons, elles sont aplaties, toutes les maisons sont rasées. Moi, je me disais à mon, j'avais un collègue, docteur Yahya, qui est américain. Mais je dis, c'est pas possible qu'il y ait un soldat dans chaque maison pour justifier qu'elle soit détruite. Mais chaque maison est détruite, chaque maison est aplatie. C'est une volonté net et clair de faire partir ce peuple. Je demande donc aux gens qui sont sensibles, des gens qui sont responsables, des gens qui restent avec un cœur et des valeurs, voilà, de rester à l'éveil, de sensibiliser autour d'eux, d'en parler, de faire des actions, de militer, d'aider les associations, aider les humanitaires qui font beaucoup sur place et qui ont besoin de la moindre bonne intention, la moindre aide et a une grande valeur. On ne peut réussir, on ne peut faire quelque chose que ce soit une action collective, une action forte. Et c'est ça qui manque. Il faut absolument que les gens fassent un geste, même un petit geste compte. Les gens qui ne peuvent pas aller là-bas, on peut aider par l'argent, on peut aider par le télétravail, on peut faire des choses. Je pense que. Et d'ailleurs, les lignes ont bougé. C'est pas encore suffisant, malheureusement. C'est pas encore suffisant. Mais les lignes, on voit bien qu'elles ont bougé depuis le début. Donc la Grâce mobilisation, ça peut. à des militants, grâce à vous, grâce à plein de monde. Ouais, on ne doit rien lâcher vu ce qui se passe là-bas et continuer à se mobiliser un maximum jusqu'à ce que ça s'arrête. Je pense une partie de nous qui est en train de mourir là-bas, une partie, c'est la liberté, notre liberté, une partie qui est en train de mourir, la justice qui est à nous aussi, qui est en train d'être piétinée là-bas, bafouée. Il faut absolument se dresser contre cette barbarie, ces actes inhumains, ces actes monstrueux. Il faut absolument pas laisser faire.
Comme vous venez de l'entendre, chaque action compte pour mettre fin au massacre à Gaza et vous pouvez déjà faire votre part en partageant cette interview extrêmement importante, particulièrement auprès des personnes qui, aussi incroyable que cela paraisse, doutent encore du génocide en cours à Gaza.